fait, ça commence toujours par pas grand-chose. Hein. Je passe beaucoup de temps à rien faire. Beaucoup de documentation, de la musique. Et puis après ça, crayonner. Les idées, faut les pousser en dehors du stylo, elles sont cachées dedans. Voilà, après ça, je fais des recherches, des postures, voilà. C'est un processus qui peut être assez angoissant hein, quand il sort rien pendant longtemps. À la fin, il y a quelque chose qui sort du chaos. Ben, j'essaye toujours de pas trop en mettre dans le crayonné parce que j'aime bien me garder du plaisir pour la fin, pour quand je vais passer l'encre, pour garder le plaisir de dessiner. La gomme, c'est pour la fin. Par contre, faut très très bien gommer. Bon, évidemment, il manque plein de petits trucs que je vais devoir retoucher. Il faut bien gommer parce que sinon c'est beaucoup plus long à retoucher avec l'ordinateur. Voilà. Et pas hésiter à bien finir parce que tout ce qu'on fait avec l'ordinateur après ça, en fait, c'est hyper long si on l'a pas fait avant. J'ai jamais vraiment compris le concept de speed painting, speed drawing, speed ceci, speed cela, mais quel est l'intérêt? Il y a des moments qui sont nécessaires. Moi j'aime décider, j'aime prendre le temps, donc je prends le temps de dessiner. Sinon, ça sert à rien. Alors avec l'ordinateur, ça va beaucoup plus vite, hein. Pour certaines choses, la mise en couleur, tout ça. Mais le temps gagné devrait être utilisé à vivre, à réfléchir, à regarder d'autres choses, et pas à se relancer dans la même tâche encore et encore. La lumière et de l'ombre, c'est ça qui fait le truc. J'ai choisi de tout mettre en contre-jour. On était parti sur un truc BD, puis en fait j'ai tout retourné. Voilà, je trouve qu'il y a plus de vent, ça, et puis le vent, le coup de vent dans ce sens-là est très bien accompagné par la typo en arabe, qui souffle dans le bon sens, voilà, et puis ce roha un peu 50s, j'adore cette typo, voilà.